Alors, dans mon frigo, il restait du riz, des crevettes, j'avais des œufs, de la cive, des carottes. Alors, on va faire un riz sauté. Alors, on va commencer par les ingrédients. Il me faudra de la sauce soja, une cuillère à soupe de sauce soja, une cuillère à soupe de sauce d'huître, une cuillère à café d'huile de sésame, une cuillère à soupe de nyokmam, la sauce de poisson, une petite pincée de sel. Voilà, on va commencer la cuisson. Alors, tout d'abord, on va éplucher la carotte et le couper en petits dés. Je vais d'abord, voilà, éplucher la carotte. Couper en petits cubes. On fait des petits bâtonnets comme ça. Hop là. Voilà. Un petit sauté vite fait avec les restes qu'on a. Des petits bâtonnets et après on les coupe. Voilà, vite fait, hein, c'est pas au millimètre près. Après, j'ai ma cive aussi. Dans le sauté aussi. Voilà. Vous mettez ce qui vous reste, hein. Voilà. Après, il nous faut de l'ail. On va le hacher. J'enlève le germe. De l'ail. De l'échalote. Après, vous pouvez prendre de l'oignon aussi, si vous n'avez pas d'échalote. Voilà. Alors, on a les crevettes aussi. On a notre ail, notre échalote et les crevettes qui me restaient. Alors, on va les... On va décortiquer nos crevettes.
Et je vais les couper un peu en petits morceaux pour le rajouter au riz. Voilà. Voilà. On va couper les crevettes. Voilà. Le curry, pareil. C'est parce qu'il me restait des crevettes, hein. Les crevettes roses. Maintenant, on va mettre une cuillère à soupe d'huile, allez, même deux, on va être généreux aujourd'hui. Voilà. Cette cuisson se fait à feu vif, hein. Faut que le feu il soit fort. On va rajouter l'ail et les échalotes. On va les laisser là, 5 secondes. On va y rajouter les carottes. Maintenant, on va rajouter le riz. On va mettre une cuillère à soupe de sauce de soja. Une cuillère à soupe de poisson. Sauce d'huître, une cuillère à soupe. Voilà. On va rajouter les crevettes roses. Voilà. Maintenant, dans un coin du feu, dans un coin de la poêle, pardon, on va casser les œufs. Je vais rajouter un peu d'huile. Voilà. On va casser les œufs. Une pincée de sel. Voilà.
je le casse. Et je ramène l'ensemble et je mélange le tout. Voilà. On est presque prêt à manger. Je rajoute la cive. Et voilà, on peut couper le feu et dresser. Voilà, on peut le servir. C'est des tomates cerises. Voilà, vous pouvez en mettre là. Voilà. Un petit citron. Voilà. Et ma petite sauce. Mon huile de piment. Voilà.